Bonjour tout le monde, c'est Skoyat et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Astrid Lindgren qui est une auteure suédoise euh, dont la grande majorité de son œuvre, voire peut-être la totalité, je ne sais pas, euh, a été euh, euh, sur le thème de l'enfance, euh, des, des choses qui ont été écrites euh, plutôt pour être reçues par des enfants, même si évidemment on peut euh, recevoir euh, son œuvre en n'étant pas un enfant, euh, quand c'est bien écrit on peut toujours. Et, c'est une bonne auteur, donc c'est bien écrit, voilà. Alors ce qui est le plus connu euh, chez Astrid Lindgren en France, et je crois un peu partout dans le monde où elle est un peu connue, c'est Fifi Brindacier. d'Acier. Euh, mais elle a fait plein d'autres choses, et j'aimerais, euh, avant de vous parler de, de quelques... quelques exemples de ce qu'elle a pu euh, écrire. J'aimerais quand même vous parler un peu de sa vie parce que j'ai eu la chance dans le cadre du FIFELR de voir un documentaire très très intéressant sur elle. Euh, je n'ai pas spécialement potassé le sujet plus que ça via d'autres recherches, mais donc euh, je vais euh, baser euh, ce, que, ce que je vais vous dire est basé sur euh, ce documentaire. Alors, il faut savoir que Astrid Lindgren euh, a eu une vie assez riche, euh, assez tôt. Alors, pas dès l'enfance, mais euh, dès l'adolescence et sa vie de jeune adulte. Euh, elle a eu euh, un enfant hors mariage, ce qui était donc très, très mal vu euh, pour l'époque. Euh, par ailleurs, euh, avant même que qu y ait, qu y ait ce, ce petit scandale, elle était déjà assez mal vue euh, par. Euh, par les gens de son village parce que elle avait un look très garçonne, les cheveux courts, c'est la première du village à avoir les cheveux courts, etc. Et ensuite donc l'enfant qu'elle a eu hors mariage, euh, le père ne l'a pas pris en charge, elle-même euh, était pas du tout dans la capacité de le prendre en charge, donc euh, elle l'a confié. À une mère adoptive. Au bout de trois ans, la mère adoptive ne pouvait plus s'en occuper, donc elle a dû le récupérer. et Bref, je vous, je vous fais pas tout le truc en détail, mais euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été quand même un moment de sa vie, euh, a priori assez difficile à vivre, à la fois en termes purement matériels, mais aussi en termes émotionnels, parce que d'être obligé de se séparer de son enfant pour ses trois premières années de vie, c'est évidemment assez dur. Euh, par la suite, sans vous faire le total de sa vie, euh, elle a continué à, à, à créer le scandale quand elle a commencé à faire ses premiers écrits, notamment avec, justement, fifi brindacier, ou euh, euh, voilà, euh, voir euh, un personnage tel que fifi brindacier, euh, ça, ça faisait scandale un peu. Euh, Auprès de pas mal de gens, parce que Fifi ça parle d'une petite fille qui fait plein de bêtises, euh, qui vit seule, etc. Euh, et euh, donc, elle a dû essuyer pas mal de critiques autour de ça. Euh, par ailleurs, euh, alors, elle n'a pas vécu que des choses négatives, elle a aussi euh, vécu des choses positives, notamment, elle était extrêmement proche euh, de son frère aîné. Euh, sauf que justement euh, cette proximité avec son frère aîné ça a aussi apporté euh, son lot de malheur quand euh, son frère aîné est tombé euh, gravement malade et notamment un de ses écrits euh, qui s'appelle euh, les frères coeur de lion est inspiré justement de la maladie de, de son frère et euh, globalement euh, la plupart de ses écrits sont très très inspirés de sa propre vie alors ce ne sont pas euh, des écrits autobiographiques mais euh, ce sont des éléments de sa vie qu'elle remet dans des contextes légèrement différents, euh, où elle s'inspire aussi des lieux qu'elle connaît. Elle n'a jamais écrit sur euh, quelque chose qui se passait à Stockholm avant d'avoir vécu à Stockholm, puisque oui, donc elle a vécu à Stockholm. Euh, enfin voilà, euh, et puis un dernier élément sur la fin de sa vie que j'aimerais citer, euh, qui devait être je pense aussi assez dur à vivre, c'est qu'elle a perdu son premier fils. Euh, alors il est pas spécialement euh, mort, euh, euh, extrêmement jeune, quand même relativement jeune. Je sais plus à quel âge il est mort, mais euh, enfin voilà, il n'était pas hyper jeune, mais pas très vieux non plus. Bref, il est mort avant qu'elle-même ne meure, euh, ce qui est toujours assez particulier et évidemment difficile à vivre pour un parent. Euh, voilà euh, pour ce que je peux vous dire sur euh, Astrid Lindgren. Alors évidemment, je ne vous ai pas euh, fait le résumé de tout le documentaire qui s'appelle. Astrid, par ailleurs, si vous avez la curiosité de le chercher et de le regarder. Donc, évidemment, il y a plein d'autres choses à apprendre sur sa vie, notamment, euh, je n'ai pas forcément beaucoup évoqué de choses positives. Euh, voilà, si, si vous voulez euh, vous renseigner plus, ce, ce documentaire était vraiment très intéressant. Et maintenant, j'aimerais quand même vous parler un peu plus avant de Fifi Brindacier. d'Acier. Euh, pourquoi vous parlez de Fifi d'Acier Certes, parce que c'est ce qu'il y a de plus connu en France, mais pas seulement. Euh, c'est aussi parce que au oh, FIFALER, parce que oui, c'est une vidéo euh, sur le FIFALER, n'oublions pas, euh, il y avait six épisodes qui étaient programmés, que l'on pouvait euh, venir euh, découvrir ou redécouvrir si on connaissait déjà. Euh, moi, je connaissais déjà euh, cette, euh, cette série euh, qui, à l'origine, par ailleurs, était euh, une bande dessinée. Et donc, je suis un peu retombé en enfance en, en regardant euh, ce, 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 ce choix de programme. Euh, J'ai eu notamment la chance de revoir des épisodes que j'avais déjà vus et aussi d'en découvrir que je ne connaissais pas. Et euh, donc, pour vous parler un peu du, de la série et en particulier du personnage de Fifi, euh, je vais quand même commencer par les points négatifs parce que pour moi, c'est quelque chose. Fifi en un c'est très très bien, donc je préfère dire les points négatifs en premier. Euh, premièrement, euh, il me semble euh, que la VO est très difficile à trouver. En tout cas, euh, là, c'était de la VF au festival, alors que je crois que même pour les euh, programmes enfants, ils, en général, ils essayent de, de faire plutôt de la VO. Euh, là, c'était donc en VF. Et il se trouve que la VF pour Fifi Brindacier est assez mauvaise. Le doublage est vraiment pas bon, désolé de le dire. Euh, donc, euh, c'est un peu gênant. Après, on peut passer outre. Euh, autre petit point négatif, et cette fois sur la série en elle-même, euh, c'est pas toujours très bien rythmé. Il y a parfois quelques moments un peu de plat, euh, ce qui peut voilà, euh, parfois faire un peu décrocher. Mais pour euh, ce qui est des points positifs, euh, ça se concentre principalement sur le personnage même de Fifi Brindacier, qui est un personnage haut en couleur, euh, très joyeux, très positif. Euh, très plaisant, qui donne le peps et qui donne le sourire. Euh, donc Fivandassé, c'est une petite fille qui doit avoir, je crois, 8-10 ans à peu près, euh, qui vit seule dans une grande maison euh, rose et bleue, ou je sais plus, enfin une maison très colorée, avec euh, son cheval, qui euh, passe euh, son temps... Euh, quand il n'est pas chevauché par Fifi, il est soit sur la véranda ou bien dans la maison, parce que oui, les chevaux euh, avec Fifi en acier ont le droit d'être dans la maison. Et il y a aussi son petit singe qui s'appelle euh, en français Monsieur Dupont et en suédois Herr Nilsson. Et le cheval, euh, en suédois je n'en sais rien, et en français c'est Oncle Alfred. Voilà. Euh, et donc Fifi Brun d'Acier, euh, quand elle arrive dans euh, ce village, euh, elle va très vite euh, se lier d'amitié avec euh, deux jeunes enfants euh, qui sont frères et sœurs, à savoir Tommy et Annika, qui eux sont des enfants très sages, qui font jamais de bêtises, euh, qui sont, voilà, ils sont bien propres sur eux, etc. Et donc il euh, y a un contraste assez amusant entre ces deux enfants-là et Fifi Brun d'Acier. Et euh, c'est très très plaisant de les voir euh, être euh, soit étonnés, soit amusés, soit choqués, soit plusieurs choses à la fois de ce que fait Fifi Brindacier, qui elle fait absolument euh, ce qui lui plaît. Euh, et euh, personne ne peut rien lui dire si euh, elle a envie de manger euh, une tarte euh, entière pendant une euh, soirée mondaine, elle le fait. Euh, si elle veut porter son cheval, elle le fait. Et ben oui, parce qu'elle est très très forte aussi. Euh, donc, si elle a envie de porter un cheval ou un piano ou je ne sais quoi encore, euh, elle en est capable et elle en a envie parfois. Donc, elle le fait. Voilà. Euh, bref, je ne vais pas vous raconter non plus en détail toutes les actions qu'elle a faites dans les épisodes que j'ai eu la chance de voir, mais c'est donc très très plaisant euh, à regarder. Et euh, en conclusion, j'aimerais aussi vous parler euh, très succinctement euh, d'un autre programme euh, qui était euh, au Feller et qui euh, a été écrit par Astrid Lindgren, à savoir Les aventures d'Emile à la ferme. Euh, qui est un, un film euh, long métrage en animation contrairement à un film qui est une série euh, live action euh, donc les aventures d'Emile à la ferme ça dure je crois un peu moins d'une heure trente ça doit être aux, aux alentours de une heure quinze et donc euh, c'est ça raconte l'histoire de émile qui vit dans une ferme en suède Évidemment, euh, tout ça n'a rien d'étonnant et qui fait surprise, plein de bêtises. Alors, c'est pas non plus euh, une seconde version de Fifi d'acier C'est pas, euh, c'est pas, euh, pas, la même situation. C'est pas la même façon de faire des bêtises. Fifi d'Acier c'est juste qu'elle fait ce qu'elle veut euh, et euh, elle n'a aucune autorité sur elle. Et euh, s'il y a une autorité qui tente de venir lui barrer la route, bah non, en fait. Non. Alors que là, euh, Emile, dans les aventures d'Emile à la ferme, c'est euh, qu il qu'il déborde euh, d'enthousiasme et d'envie de faire des choses et d'envie de faire des choses bien. Sauf que, bah, euh, euh, il ne va pas forcément réfléchir plus que ça quand il a une idée. Juste, il a une idée, il se dit, ok, très bien, je fais mon idée. Euh, et euh, à chaque fois, presque, ça va... Euh, avoir pour conséquence une bêtise. Et donc à chaque fois qu'il fait une bêtise, il se fait euh, rouspéter par son père qui le pourchasse euh, et, et qui du coup Émile s'enfuit, et se cache dans l'atelier, s'enferme dans l'atelier et le père euh, enferme également du côté extérieur et c'est sa façon euh, de punir Émile euh, qui reste plusieurs heures dans l'atelier. Sauf que Émile, il adore être dans l'atelier parce que du coup, il peut tailler des bouts de bois euh, pour faire des petits bonhommes. Euh, donc, du coup, lui il voit presque pas ça comme une punition et ça donne lieu à une situation assez euh, drôle puisque du coup sa soeur, euh, oui, parce qu'il a une soeur, je l'ai pas dit, sa soeur est jalouse, euh, elle voudrait bien elle, elle aussi être punie. Bref, j'en dis pas non plus trop parce qu'après je vous spoilerai le film, mais euh, c'est un élément qui est présent au début euh, et qui a une certaine évolution. Euh, et j'aimerais quand même. Euh, insister sur une, une certaine chose euh, qui n'est pas forcément perceptible quand on ne connaît pas du tout la vie d'Astrid Lindgren, euh, c'est qu'il y a assez subtilement un, un message dans ce dessin animé euh, à propos de la maltraitance des enfants, puisque euh, dans le documentaire on apprend qu'Astrid Lindgren était euh, très très portée euh, dans la lutte contre les euh, maltraitances faites aux enfants. Euh, et du coup, quand on, on voit euh, voilà, cette situation où le père rouspète, Emile Émile le pourchasse jusqu'à ce qu'Émile qu s'enferme dans l'atelier, au début, ça semble assez innocent. Mais il y a un moment dans le dessin animé euh, où la mère, euh, quand, euh, quand elle voit que Émile euh, a fait une bêtise, se saisit immédiatement du bras d'Émile pour, euh, pour le, tout de suite, le plus vite possible, l'emmener dans l'atelier pour éviter que Émile se fasse rouspéter par son père. Euh, autrement que par la punition de l'atelier. Et ça, je crois que ça doit venir, à revenir à deux reprises à peu près. Et du coup, euh, en sachant que Astrid Lindgren est très portée justement sur cette thématique-là, ça suggère assez subtilement que c'est voilà, un petit message sur le fait que en fait, Émile bah, euh, s'il ne se réfugie pas dans l'atelier, il se fait peut-être taper dessus, et en tout cas, il se, il se fait un peu maltraiter par son père. C'est suffisamment subtil pour que ce soit pas perceptible par les enfants, euh, ce qui serait pas forcément une mauvaise chose, mais euh, ce qui pourrait être très très risqué. Mais c'est quand même présent, et ça c'est quand même quelque chose d'assez euh, bien, je pense, euh, que ce soit voilà, présent euh, dans, dans, dans le fond euh, du dessin animé, euh, parce que c'est une thématique quand même assez importante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur euh, Astrid Lindgren, qui est donc une personne euh, magnifique, en tout cas selon euh, le documentaire que j'en ai vu. Euh, je vous invite à euh, découvrir cet auteur si vous ne la connaissez pas déjà. Euh, voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur le festival. Salut